Alors, Jacques prépare. Ευχαριστώ στη Γαλλική Ακαδημία, στο Institut Français d'Athènes, που έδωσε στη γενιά μου και στις επόμενες, και θα δίνει πάντα, αυτή την ευκαιρία να σπουδάσουμε τη γαλλική γλώσσα και να αγαπήσουμε τη λογοτεχνία και δει την ποιήση. Jacques Prévert, pour faire le portrait d'un oiseau. Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. Peindre ensuite quelque chose de joli, quelque chose de simple, quelque chose de beau, quelque chose d'utile pour l'oiseau. Placer ensuite la toile contre un arbre, dans un jardin, dans un bois ou dans une forêt. Se cacher derrière l'arbre sans rien dire, sans bouger. Parfois l'oiseau arrive vite, mais il peut aussi bien mettre de longues années avant de se décider. Ne pas se décourager, attendre. Attendre s'il le faut pendant des années. La vitesse ou la lenteur de l'arrivée de l'oiseau n'ayant aucun rapport avec la réussite du tableau. Quand l'oiseau arrive, s'il arrive, observez le plus profond silence. Attendre que l'oiseau entre dans la cage et quand il est entré, fermez doucement la porte avec le pinceau. Puis, effacez un à un tous les barreaux en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l'oiseau. Faire ensuite le portrait de l'arbre en choisissant la plus belle de ses branches pour l'oiseau. Peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent, la poussière du soleil et le bruit des bêtes de l'herbe dans la chaleur de l'été. Et puis, attendre que l'oiseau se décide à chanter. Si l'oiseau ne chante pas, c'est mauvais signe. Si que le tableau est mauvais. Mais s'il chante, c'est bon signe. Signe que vous pouvez signer. Alors, vous arrachez tout doucement une des plumes de l'oiseau et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. Merci. Merci.